Gigi Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers Verseaux. On va regarder c'est quoi l'énergie en amour pour nos Verseaux dans cette deuxième moitié du mois d'avril 2024, c'est-à-dire du 15 au 30 avril. On va regarder c'est quoi l'énergie en amour entre vous et cette personne que vous avez en tête, chers Verseaux. Donc, s'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, il se peut qu'il y a certaines parties de la lecture qui ne résonnent pas avec vous. Si toutefois elles ne résonnent pas avec vous, je vous invite à regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Donc, sur ce, on va commencer, mes chers Verseaux. On va regarder quelle est l'énergie en amour entre vous et cette personne que vous avez en tête dans cette deuxième moitié du mois d'avril 2024. Cette personne qu'elle a en tête actuellement. Six cartes, s'il vous plaît. Ben là, Verseau. Bon. Énergie générale, ben oui, c'est ça. Enfin, que ce soit ça. Le 10 de bâton pour nos chers Verseaux. Très chers Verseaux, là, je ne sais pas pourquoi vous vous faites ça. On dirait que c'est la suite de ce dont on a parlé dans la première partie du mois d'avril. Donc, mes chers Verseaux, vous êtes dans une relation qui ne vous apporte pas beaucoup. Actuellement, vous êtes dans une connexion que vous tenez mordicus à rallumer la flamme. Toutefois, on dirait que ça ne se rallume pas. Tout ce que vous faisiez, tout ce que vous tentez pour faire en sorte que cette connexion, elle reprend vie ou qu'elle guérisse, vous avez été créatif, c'est pas pour rire. On dirait qu'elle reprend pas, ça se colle pas, ça colle pas entre vous et cette personne-là. Ça devient lourd avec l'énergie du 10 de bâton là. Vos efforts, ça devient lourd. Okay? Vous ne savez plus, avec le 7 de nier ici, vous savez plus où mettre la tête, vous savez plus comment vous investir dans cette relation pour faire en sorte que ça avance. Toutefois, malgré tout ça, vous ne voulez pas y mettre fin. Vous accrochez, mes Verseaux, vous accrochez dur. Là, on le voit dans le futur proche, là. Vous auriez pas plus d'outils là, pour faire avancer les choses avec le magicien à l'envers. On dirait que vous avez épuisé vos ressources. Toutefois, la fin, elle n'est pas arrivée. La fin, ce n'est pas vous qui allez la produire non plus. On dirait que vous attendez que ça vous éclate en plein visage, mes chers Verseaux. Alors, comme c'est lourd comme ça, chers Verseaux, on va essayer de voir ici la personne avec qui vous êtes en connexion, qui vous donne autant de mal de tête. C'est quoi? Ses intentions sentimentales à votre égard, cette personne que vous avez en tête, cher Verseau, c'est quoi ses sentiments, ses intentions sentimentales à votre égard? Ok, peut-être vous aider à prendre une décision ici. C'est quoi ses intentions sentimentales à votre égard? Très cher Verseau, on voit ici que la personne, elle aussi, elle perd un peu courage, puis elle commence à voir que t'sais, cette connexion-là, il y a beaucoup de difficultés. Ok, elle commence à baisser les bras, tout comme vous. Toutefois, elle met aussi l'effort. Elle veut que cette connexion elle perdure, mais pendant combien de temps que ça va durer, on ne sait pas. J'ai plus l'impression que la communication qui va se faire entre vous, il va y avoir un échange, ça va se faire rapidement, mais la décision qui va être prise avec le futur proche, c'est que cette personne-là, elle a peut-être une autre possibilité qui l'attend plus loin. Okay? Avec le 3 de bâton et le page de coupe, soit qu'elle regarde vers l'horizon dans le sens que
il y a quelqu'un d'autre, il y a une tierce personne qui lui fait une offre plus loin, ou c'est la dernière offre que vous allez lui faire qui va faire en sorte qu'elle va étudier la situation. OK? Alors, c'est quoi le blocage? C'est quoi le blocage entre nos Verseaux et la personne avec qui ils sont en connexion actuellement? C'est quoi le blocage entre les Verseaux et la personne avec qui ils sont en connexion actuellement? C'est quoi le blocage? Le blocage, c'est que vous vous accrochez au passé un peu, très cher Verseau, puis votre personne aussi un peu. Alors, tout comme vous, les intentions sont bonnes, OK? Elle essaye de raviver cette relation. On le voit ici avec le page de denier. Par contre, si l'offre est plus alléchante, si ça vient d'une autre personne ici, elle va sûrement aller vers celle-là, l'autre personne. OK? Parce qu'ici, vous vous accrochez tous les deux à quelque chose qui était beau entre vous deux, mais que vous n'arrivez pas à rallumer. C'est comme, peut-être que vous connectez juste plus, cher Verseau, avec votre personne. On va prendre ici un message des oracles. Parce que ça se peut aussi que c'est une mauvaise passe. Parce qu'ici, avec le 3 de bâton, comme je vous dis, le page de coupe, ça peut être autant votre offre, tu sais, la décision, une offre suite à une discussion, que tous les deux vous décidez de faire perdurer cette connexion. Ou bien votre personne reçoit une autre offre et elle va vers cette autre offre-là. Elle pense sérieusement avec le 3 de bâton-là. OK? Un petit message des oracles pour nos Verseaux. L'énergie, the energy is gaining momentum. Oh, ça, je connais pas trop. Voir qu'est-ce qu'il veut dire par là. On dirait qu'ils l'ont pas. Waxing. Ah, oh, excusez. 98. Donc ici. Ici. La situation est tout plein de potentiel. OK. Donc, mais plus d'efforts est requis. Est-ce que vous êtes prêt à le mettre? Ça coïncide tellement bien. Alors déjà, vous mettez l'effort, très cher Verseau. Votre personne aussi, mais quand même, ça peut aller dans les deux sens. Alors, je ne peux pas, c'est dommage, hein, tu sais, vous venez ici pour des prédictions. Je ne peux pas vous dire si ça va coller ou ça ne va pas coller, si ça va fonctionner ou pas, mais je vous dis que vous avez tous les deux les mêmes intentions, c'est de tenter de faire perdurer cette connexion que vous avez ensemble. Alors, sur ce, mes chers Verseaux, j'espère que cette lecture, elle a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des lectures de façon mensuelle. Je vous dis merci de me donner une chance et sur ce, je vous dis à la prochaine.